Salut tout le monde, c'est Abigail, et aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de Cube Island. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que pendant ces bah il y avait l'épisode 11 parce que je l'avais tourné il y a un mois je crois à peu près. Bah je l'avais tourné à la suite du 10e épisode. Donc là je vais faire un petit récapitulatif. Donc j'ai bien réfléchi, on va faire une ville champignon ici. Vers là-bas, une ville PNJ vers là, et la grande ville ici. La grande ville, on va faire dans cette map, on va faire trois villes à peu près. Voilà tout. Sinon, j'ai miné, j'ai pas changé grand-chose là, mais j'ai miné comme ça, j'aurais pas à le refaire et tout. Donc, regardez. Bon là je viens de finir de miner, j'ai fait deux séances de minage, donc une séance où il n'y a pas grand chose. Bon là c'est un peu ce que j'ai récolté aussi là-dessous. Et là, 4 stacks de fer. Donc ça faudra par contre pour brûler tout ça, faudra des fours, et dans cet épisode, on va faire beaucoup beaucoup de fours. On va d'abord ranger tout ça. Ou attendez. Je vais prendre. Non, non, c'est bon. Là, j'ai cassé un truc parce qu'il y avait un creeper. Donc, je vais. Non, c'est pas par là. Non, c'est. Attendez. Je suis un peu perdue. Donc, je suis mort plusieurs fois. J'ai 23 niveaux et je vous ai pas dit. Tadam! Table d'enchantement. La table d'enchantement, je me suis enchanté plein de trucs. Là, ça se voit, mais j'ai fait qu'avec niveau 1, niveau 1. Donc voilà. Alors, on va ranger tout ça. Il va être plein le deuxième double coffre. Alors, faut pas se tromper. Oui, voilà. Ça c'est de la cobble. Voilà, donc ça c'est pour la cobble. Gravier. Petite chute d'FPS. D'ailleurs, vous avez vu, c'est un peu plus fluide qu'avant. Donc j'ai trouvé comment faire, hein. Là, j'ai récolté un peu de ça parce que on va refaire des briques bientôt et tout. On va refaire beaucoup de maisons en briques. Là, je suis un peu en train de ranger aussi, hein. Oh là, je suis un peu perdue là. Oh. Et là, il y a de plus en plus de diamants. Bois. J'ai plus beaucoup de place non plus. Donc là, on va faire une salle. On va faire une salle avec des fours. Donc on va la faire provisoire. Hein. Après on va faire même un truc avec des fours dans cette un truc un bâtiment avec des fours. Donc ça va être assez classe. Donc la table des fours, la table. Oula. Je suis un peu fatiguée là. La salle des fours, elle va être là. Oula, grosse chute d'FPS, ça a bugué. Ça a lagué pendant un petit moment là. C'est pas grave. C'est quand on mine. Donc on aura une petite salle au four ici. Hop. On va mettre les fours, on va mettre du bois. Et je pense que ça sera bon. Donc. Ouais, là, ce sera bon, là. On va mettre un four, un four, un four. Mince. On va faire, en gros, un mur de four. Ah, mince. Je l'ai mis à l'envers, celui-là. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, maintenant, il manque... Oula. Il manque à mettre le bois.
On va mettre 4 stacks, hein. Y a 8. Il y a 8 fours, je crois, non? Non, 8 ou 10. Non, c'est pas par là. Je me trompe tout le temps. Faut que j'agrandisse là. Voilà. Non, il y en a plus que 4. Il y en a 10. Alors. Moi, j'aime pas. Je sais pas. J'ai jamais aimé mettre du charbon dans les fours. Je sais pas pourquoi. Hop. Hop. Et hop. Là, c'est déjà mis. Voilà. Bon, tiens, on va mettre ça ici, tant qu'on y est. Et on va chercher tout ce qu'il y a à fondre. Donc, il y aura un sacré paquet. Dans le prochain épisode, on va peut-être... j'ai fait un peu de pouce là. Hein. Dans le prochain épisode, on va peut-être faire des bibliothèques avec ça. Donc, voilà. Là, j'ai fait un peu à couper les vaches, donc je vais continuer. En plus, ça donne de l'XP, ça c'est cool. Regardez, je suis à 24, presque à 25. Désolé si vous entendez que je bruit de ma souris. Allez, 25. Rien, ça. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah si, 25, super. Donc, voilà. Allez, hop. Donc, je pense que, vu tous les trucs qu'on a, plusieurs stacks de fer, je crois qu'en tout, on en a, si on les fend tous, et avec ce qu'on a dans les coffres, on devrait avoir 6 ou 7 stacks. Donc, j'aurai plus besoin de miner jusqu'à un bon bout de temps. J'ai eu une enderperle. Je vais essayer d'en avoir deux pour faire un... comment dire, un under chest. Ça va être pratique pour ah là là, pour ça va être pratique pour les constructions. Quand je ferai des très hautes tours et tout, je mettrai un under chest dans la tour, au pied de la tour, et l'autre bout sur bah dans la réserve quoi. Donc, oula, je suis un peu perdue. Faudrait que je fasse une petite délimitation. On voit pas grand-chose avec l'herbe. Hop là. Allez, on met tout ça à chauffer. On va faire 32. 32, ça va chauffer plus vite. Oula. Trente-deux, 32 et 32. Là, on va mettre celle-là. Faut que tous les fours soient en fonctionnement là. Voilà. Et voilà, pile assez. Non. Il manque du bois. Je vais en chercher de suite. Hop. Toute façon, il y a du bois, vous inquiétez pas. C'est pas par là. J'ai des réserves énormes de bois. Hop. Voilà. Donc le temps que ça cuit tout ça là, on va arranger un peu ce qu'on a trouvé. Bah ce qu'on a trouvé, ce qu'on a eu. Non. Ouah, 40. Bon, ça. J'adore le lapis parce qu'on peut colorer beaucoup de choses. Ouais, on va prendre ça, on va faire des cubes hein, comme d'habitude. Ça va prendre moins de place, comme le fer. On va faire des cubes. On en a un peu trop. Hop. 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 Et... Ah non, il nous en manque un. Pas grave. 18 cubes de plus.
Donc vous voyez, on a ça et plus beaucoup d'autres choses. Et là, le double coffre est plein de ça. Parce que j'ai trouvé un spawner à squelette. Donc j'adore les spawners à squelette parce que premièrement, ça donne des arcs. Des fois enchantés. Beaucoup de flèches. Et de l'XP. Et des os. Donc ça donne plein de choses. Donc ça, je vais beaucoup m'amuser avec ça. Donc voilà, c'est. Si je vous le dis où je l'ai trouvé, vous n'allez pas y croire. Je l'ai trouvé. Vous l'avez fait nuit. Je l'ai trouvé au. Oula, pourquoi il n'y a pas ce qui sauve là? Je l'ai trouvé juste à côté du village de PNJ. Allez, je l'ai remis là-dedans. Alors. Je me centre bien. J'ai une petite baisse de FPS. Une grosse là. Je sais pas si on le voit à la vidéo. J'en ai 6. Ah non. J'ai pas dû en faire tomber, c'est pas grave, de toute façon. Voilà. On va prendre le fer qu'il y a. Donc, je vous ai pas dit, regardez. J'ai mis mon nouveau skin. Bah, mon skin depuis toujours, quoi. Mais sauf que je le trouvais pas en téléchargement. Vous voyez la petite image là, avec le skin aplati. Je le trouvais que en nom. Par exemple, sur ma skin charge, je tapais filet 1-2-3. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein. C'est pas moi qui ai donné le nom. Mais voilà, ça s'appelait comme ça. Donc je trouvais comme ça et comme Maxkin cherche ne donne pas les liens de téléchargement. Oh, petit bug. Allez, on fait tout en cube. De toute façon, les objectifs, je vais pas tarder aussi, hein. Parce que je parle de ça parce qu'il faut obtenir beaucoup beaucoup de cubes de pastèque. Alors. Ça, on va s'en servir pour faire la. On va les brûler aussi. On va faire une salle encore plus grande. Je vais l'améliorer. Je vais faire, je sais pas, 5 fois cette salle. Et je vais remplir de ça. Et je vais les fondre pour qu'ils deviennent de la pierre. Et ensuite faire une tour géante. Donc voilà. Alors. Parfait, en plus ça fait des niveaux. Oh, de l'or, parfait. Parfait, on va mettre ça en plus. Ouais, on en a. Ouais, on en a déjà 60. Oula, ça va avancer vite là. Hein. On va pouvoir se faire des enchantes niveau 30 avec toutes les bibliothèques. C'est dommage qu'on peut pas faire plus quand même. Mais on peut quand même toujours les fusionner les trucs, mais ouais, 29 niveaux. Donc on va d'abord ranger tout ça, hein. J'ai plus de place dans les coffres. Ça c'est je sais. Faut que je déplace les coffres le plus vite possible avant qu'ils deviennent trop pleins. Comme ça, j'aurai plus de facilité à les transporter. 1, 2, 3, 4, 5. On pourra pas faire 9 stacks pour faire un cube de trucs. Pas grave. Et voilà. La table d'enchant, je vais la déplacer aussi. Hein. Ouais. Regardez, pour l'instant, on peut faire que ça. J'ai fait quand même quelques livres. Et voilà. Alors, là-dedans, souvent j'oublie des trucs, alors je regarde. Bon, là, c'est plein. Hein. C'est plein de chez plein. Là, c'est un peu la poubelle. Ça, c'est ce que je vais jeter. Regardez, toutes les graines, là. J'en ai déjà trop, là. Donc, je crois que je vais pratiquement toutes les jeter, les graines, parce que dans ma truc, c'est. Bah, ça n'a pas changé là. Les récoltes, mais il y en a quand même beaucoup. Donc je pense que je vais jeter un maximum de choses qui me servent pas. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, ça m'embête. Ouais, j'ai tué un slime aussi.
Oh, ça va être pi bien pour les. Pour les livres. La terre, c'est bien aussi, ça. Je suis rentré dans plein de mines de PNJ aussi, il y en avait plein. Hop là. Donc j'avais hâte de faire cette série parce que de continuer cette série parce que ça faisait longtemps que je faisais du plante vs zombie. Alors là, il y en a beaucoup, hein. 7, 8, oh, encore un. Soit il y en a un de trop, soit il en manque un. Bizarre. Donc voilà. J'ai plein de sel pour chevaux. Et comme j'en trouve jamais, je crois que je vais m'en guiver un parce que rester tout seul comme ça avec des vaches, c'est pas très très amusant. Voilà. Ouais, pourquoi j'ai 64 redstone ici là? Voilà. J'ai de la ficelle, ouais. Ça servait à rien que j'en prenne, si. Attendez. Si vous voulez tout bien répartir comme ça là, et vous prenez clic gauche et vous enfoncez et vous passez partout là. C'est super bien ça. Alors. La laine va beaucoup me servir aussi, notamment, oula, à faire la statue de moi en laine de mon skin. Donc c'est de celui-là. Et vous voyez par exemple le petit cube qui est sur mon œil là, le bleu de mon œil. Je devrais le faire en deux cubes de haut, donc ça va être, il va être géant mon skin. Donc c'est pour ça que j'y serai en 3D, genre il sera plein comme ça sur les côtés et tout. Donc c'est pour ça que j'aurai besoin beaucoup de laine. De beaucoup de laine. Donc on va prendre ce qu'il y a dans les fours et on va se laisser là. Parce que comme d'habitude je ne fais jamais de trucs trop longs. Si vous voulez que j'en fasse plus long, hein, vous me le dites. Je sais même pas combien à combien de temps on est donc hop hop et hop et voilà. Donc on a un stack de plus, c'est bien. Oula, oh il y a trop de stacks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Donc, on va essayer de prendre un max, hein. On va tout prendre et on va faire des cubes. Et ça aussi, on aura besoin de beaucoup de fours pour faire tout ça. On aura bien besoin des fours pendant les épisodes qui suivront. Bon, en fait, 64, ça sert à faire 7 cubes. Et il en reste un, en fait, à chaque fois. Hop. J'espère qu'après on peut les remettre en lingots parce que sinon, imaginez. Hop. Ouah, 42 lingots quand même. Alors, est-ce qu'on peut les remettre? Faux, j'ai peur. Alors, on prend ce qu'il y a là. On refait. En dernier. Et voilà. Donc, un cube. Bon, on va refaire un cube. Alors, hop. Et 9. Bon, on va laisser là pour l'instant. Hein. Donc, le reste, je vais essayer de m'arranger pour ranger tout ça. Donc, j'espère que cette reprise de Cube Island vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Comme d'habitude, et à vous abonner si c'est pas encore fait.
Oh non, 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 non!